Salut à tous, la clé c'est la vie, épisode 35. Et pour une fois, on se retrouve sur mon portable fonctionnant sur Manjaro Tuxenvap Maté Testing parce que mon gros PC est en train de bosser sur une énorme compilation. Voilà pourquoi. Bon, vous savez qu'il y a un nombre de lignes de commande, mais parfois on peut se tromper. Et dirons-nous qu'on peut parfois avec les commandes de deux lettres, par exemple PC. Et là, c'est les chasses qui me proposent CP à la place, ce qui est normal. Parce que parfois on peut inverser des lettres. Ça peut arriver. Mais dirons-nous qu'il y a certaines personnes qui ont décidé de mettre un peu d'humour dans ce qu'on appelle les problèmes de frappe, le mistyping en anglais. Vous connaissez la commande ls. Ça liste tout ça. Mais connaissez-vous la commande sl? Marrant ou non? C'est une commande qui a été inventée par un certain. Alors que je ne me pas son nom. Alors. C'est Toyoda Masashi. Je vais y arriver, c'est pas évident nos matins. Avant, ah, si vous voulez prendre un café. Ça propose une locomotive qui se déplace au lieu de faire un petit. Listing des données. Voilà. SL, c'est pour Steam Locomotive. C'est un peu une espèce de un petit peu d'humour dans le terminal. Voilà. Je voulais vous montrer ça parce que on en a parlé un jour et je me suis dit, ça donnait quoi en réalité? Bah, ça donne ça. C'est tout petit exécutable qui a été développé pour dire attention, ne faites pas de faute de frappe. Bon, c'est une faute de frappe tout à fait anodine. Mais si vous faites un alias LS égale SL, c'est pas une personne pour la coincer, mais son truc, pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça fait ça? Ce serait quand même une blague de mauvais aloi. Bien sûr, je ne vous ai rien dit, mais si vous le faites, pitié, ne me mettez pas dans les crédits. Pitié. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine, ciao!